La première fois qu'on ouvre Blender, il y a ça qui s'affiche devant nous en premier. Ça s'affiche de la version de Blender, numéro de la version, une jolie image, les liens vers la communauté et les fichiers récents. Là, j'ai pas beaucoup de fichiers, pour ça que c'est vide. Il suffit de cliquer là-dessus ou ailleurs pour que ça disparaisse. Ici, on a la barre d'information. On a les menus pour faire une nouvelle scène, ouvrir, enregistrer, importer, exporter ou quitter. Menu ajouter, le rendu. Ça, c'est les layouts qui sont déjà prêts. On va revenir plus tard. On peut créer plusieurs scènes, changer le moteur de rendu. Et ici, on voit les informations sur nos objets. Il y a combien d'objets, combien de vertex, combien de edge, combien de face. Ici, ça s'appelle Outliner. C'est là où on voit nos objets. Vous voyez, là, le cube il est sélectionné, il est orange. Je sélectionne lampe, la lampe devient orange. Je sélectionne la caméra, c'est la caméra qui devient orange. Donc, elle est sélectionnée. C'est ici qu'on trouve toutes les hiérarchies, les relations entre nos objets. On en reviendra plus tard. Ici, c'est le panel de la propriété. C'est ici qu'on trouve toutes les options, tous les modificateurs, les matériaux, les textures, les particules, les simulations de physique. On le fait tout ici. Ici, c'est la barre de temps. C'est ici qu'on se déplace dans le temps pour faire nos animations. Et ici, ce petit panel, ça nous sert à manipuler directement nos objets qui sont dans la zone 3D. Et ici, on a l'espace 3D. C'est ici que on va modéliser, on va animer, on va éclairer, on va faire les rendus de nos images.